Parce que du coup, ils veulent cheese, Jax veut aller cheese, Lissine, Irelia. En vrai, si on leur tombe dessus le moment où ils ont engagé le rouge, on les bat. Attends un peu, attends un peu, attends un peu. Le truc, c'est que si on leur tombe dessus alors qu'ils ont pas encore engagé le rouge, c'est pas fou. Genre, le niveau est équivalent. Par contre, s'ils l'ont déjà start, c'est que Lissine n'a pas de Q. Je sais pas si quelqu'un peut aller voir des ça. Je pense que je vais courir à mon rejoint. J'ai pas la pression mid. Après, Lissine, en vrai, je me dis que je peux arriver à temps parce que Lissine a un peu hésité ici. Il a fait des petits pas en arrière, on l'a vu revenir sur la ward en mode est-ce que j'essaie de prendre ce rouge ou quoi. Fait chier, un peu trop lent. Si j'avais eu la pression mid, j'aurais eu le temps d'arriver, mais là, un peu short, c'est dommage. On le chasse maintenant. Et il a dû faire le carap. On attend qu'il spell. Elle va devoir flash. Nice. C'est long ça. Que c'est un Lee Sin qui a plus de red buff pour son early game, c'est très très bien. Ça, c'est quand même la méta en ce moment, c'est incroyable. On est sur Syndra Alistar contre Jayce Rakan au bot, c'est assez fantastique. Je l'ai au top. Allez, go. Je pense pas qu'il avait besoin de la flash, mais bon. Ça sur le kill, c'est pas plus mal. Attention à DC, no mid mon pote. Même s'il a pas de red buff, t'es vachement avancé et pas très OHP. J'ai wardé mon bleu parce que j'ai l'intention de back. Et si jamais Lee Sin est un peu smart, il peut tenter de venir m'agresser à mon bleu, tu vois. C'est en gros, genre, moi typiquement, vu que en gros, Lee Sin était mort, on avait pas trop d'infos sur lui et qu'il m'a vu gank au top. Bah, tu vois, je suis en mode, imaginons, il était au Raptor, il aurait très bien pu se dire, tiens, Grave vient de gank au top, il a genre, allez, 400 HP en moins. Je peux essayer de. En plus, il m'avait partir par là, il peut se dire en mode il va faire son gros poisson bleu, tu vois, il peut essayer de me tomber dessus. Du coup, je fais mon gros safe parce que je suis loin du mur, avec une ward ici. Et comme ça, si jamais il vient de cheese mon bleu, bah j'ai l'info et je peux m'adapter, tu vois. Alors que tu vois, si en mode j'étais allé faire mon bleu direct, mon bleu était plus risqué, quoi, parce que s'il prend la plante, je suis un peu dans la merde. J'ai pas de flash ici, mid. Et il est tranquille. Un peu fait déchirer sur le trade de Graves, Jax pardon. Mais après il y a une TP, donc en vrai c'est pas si mal. Ah non, c'est pas si mal, en vrai il va juste TP en lane, il sera bien. J'arrive bro. Je sais pas si j'arriverai à attendre après. Ouais, dommage. Oh non, il s'est tué Nivea, let's go. Monstre.
pas ce qui est wardé après. Nice. Free kill, let's go. J'adore. Il a grid, Jace. Pas grid. Ok, le level 6, excellent. Excellent, excellent. Oh! Je vais essayer de lui freeze la lane comme je peux. Bon, comme ça, c'est pas trop mal. Dessiner top. C'est ça qu'on veut, c'est ça qui est bon. On peut faire le dragon si tu le tank. Je prends les petits fruits là, les petits légumes. Zed il va passer dans la jungle. Check ici. Ah, je sais pas où est parti. Elle est sûrement partie vers le bas. Tant pis. Bon, après, c'est ok. On a eu deux flashs là-dessus. Okay. Si Alistar s'était pas vomi dessus, ça aurait été probablement. Bon, peut-être pas deux kills. Je pense un kill. Tant pis. Moi, très grave. En vrai, pour moi, dans ma game, ça change pas grand-chose. Faudrait que je back quand même, 3000 gold ça fait beaucoup là. Mauvaise plante. J'ai vraiment pas envie de prendre un fight alors que j'ai 3000 gold sur moi. Je serais de manière conne de jeter la game. On est sur un bon petit power spike là en plus. Le fusil à pompe de graisse, on dirait un peu celui de Fortnite. Oh, très vite fait hein. C'est vraiment. Ah, obligé de mettre 20 balles pour tuer, d'accord, ok. Il est là le lien. Ah, on fait des petits moins 8 nous. Je vais aller mid. Ah, fait chier, après le fight il part loin de moi.
Je pense qu'on peut aller dive Irelia, honnêtement. Oh, il a jamais fait ses golems, Lissine. Eh bien. Elle a bien joué Stan. Hein. No joke, honnêtement, si j'étais mort là-dessus, j'aurais même pas été mad, tu vois. Franchement, c'était un joli Stan. Je vais me heal avec le carap et je vais faire. Enfin, avec le gromp et je vais aller faire le carap. Et back, elle va me faire mon rouge. Je pense déjà qu'il n'y a pas besoin de moi pour la tour. Il n'y a que Rakan qui peut le défendre. Petit Black Cleaver. Le truc c'est que maintenant en vrai quand je fais un gantelet de crit je trouve ça insultant genre. Je dépense 600 gold pour 10% de crit, ça me fait vraiment mal au cul tu vois. Tu sais j'ai l'impression d'acheter un café au Starbucks quand même. Non même pas. Non, la comparaison est mauvaise. Parce qu'au moins le café au Starbucks ça a un semblant de goût tu vois. J'ai vraiment l'impression de... Ouais d'acheter de la pisse au prix d'un café Starbucks quand même. Voilà, c'est plus représentatif. Et bon bah je te cache pas qu'acheter un gobelet de pisse à 8 balles c'est un peu chiant quoi. Go go go. Nice. Los Frikilos. Permet de deny le bleu d'Anivia, c'est chouette. Bon concept d'auto-attaque ça, bien joué Kaelan. On va aller tuer Anivia. C'est qu'en gros la game je pense qu'on la snowball trop vite, j'ai pas envie de faire les dragons. C'est un dragon des océans le premier, ça va me faire perdre plus de temps qu'autre chose je pense. Joseph, elle est morte. Ok, ça me va. Fait chier. Ah, oh, je me suis lassé quoi, alléluia. Il m'a fait chier, il m'a mis super mal le Rakan. Fait chier, pas eu le temps de gratter l'assist, casse les couilles. Pourquoi tu continues d'acheter les items crit bah c'est le truc, c'est que le Rapid Fire Cannon ça reste vachement fort. Ah après je pourrais faire le... Bon ils ont FF. Je trouve quand même que Rapid Fire Cannon, quand tu joues Fleet Footwork avec Graves, je trouve ça quand même vraiment trop bien, tu vois. Et en gros, le Rapid Fire Cannon reste un bon item. C'est juste qu'en fait, à construire, tant que t'as pas le zèle, ça casse un peu les couilles, quoi. En réalité, c'est maintenant tu peux faire le Stormrider. En vrai, Stormrider est vraiment pas horrible sur Graves. Mais j'aime trop le Rapid Fire Cannon, vraiment. Alors, en fait, la range supplémentaire pour pouvoir aller faire proc le Rapid Fire et gagner ton bonus de mouvement speed, c'est juste beaucoup trop bien. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop bien. Faire que Z a plus de dégâts que moi, fichier. Bien joué. Ouais, on a fait le taf cette game. Il a joué après comme je voulais sur sa lane. Et au moment où je voulais qu'il joue à peu près safe, il a joué safe. Et quand j'étais autour de lui, il jouait aggro, c'était chouette. Nice, c'était une game bien contrôlée, ça, je suis content. I'm happy.